Objet nombre SCP-292. Minuteur à déjà vu. Classe Euclide. Procédure de confinement spécial. SCP-292 doit être conservé sur le site 72 dans une salle gardée sous surveillance dans un conteneur rembourré conçu pour éviter tout déplacement ou dégât à SCP-292 et l'accès à SCP-292 est interdit sans autorisation de niveau 3. Le personnel du site doit reporter tout incident de déjà vu ou symptôme associé à l'administration du site. Description: SCP-292 est un sablier en laiton de 60 secondes de 10 cm de haut. Lorsque tout son sable est en bas et que SCP-292 est retourné, seuls deux résultats ont été observés, soit le sable s'écoule normalement durant une minute, soit SCP-292 est renversé sur le côté. Si SCP-292 est renversé, les propriétés anormales ne se manifestent pas tant que tout le sable dans SCP-292 n'est pas dans un seul bulbe. Jamais SCP-292 n'a été observé être retourner une deuxième fois durant les 60 secondes, sauf lorsqu'il est renversé comme ci-dessus. À chaque fois que SCP-292 est droit et que le sable est dans son réservoir du bas, et qu'un sujet tente de retourner SCP-292 avec l'intention de le retourner à nouveau avant que le sable ne soit écoulé, le sujet et les personnes alentour ressentent soudainement un effet de déjà-vu. Et l'intensité du déjà-vu est inversement proportionnelle avec la distance d'une personne par rapport à SCP-292, le sujet est souvent temporairement sonné par l'expérience. Les personnes expérimentant un déjà-vu du même événement décrivent souvent des événements rembobinés similaires. Il est supposé que lorsque SCP-292 est retourné, un processus s'enclenche causant, si SCP-292 est retourné de nouveau avant que le sable ne soit complètement écoulé, un retour dans le temps à quelques secondes avant que SCP-292 ne soit retourné pour la première fois. Le temps reprend alors son cours normal comme si SCP-292 n'avait jamais été retourné, le déjà-vu serait ainsi un effet secondaire de ce processus. Une exposition prolongée à SCP-292 peut causer nausées, migraines, vertiges, hallucinations, convulsions et autres symptômes cohérents avec un déphasage temporel somatique, psychologique, ou les deux. 1. Adindomin, expérience 292 à 31. Procédure, il fut demandé au sujet 03101 de retourner SCP-292, d'abattre le sujet 03102 puis de remettre SCP-292 en position initiale avant que le temps ne soit écoulé. Résultat, lorsque le sujet 01 tendit la main vers SCP-292, les deux sujets ainsi que le reste du personnel de la zone reportèrent une sensation de déjà-vu. Le sujet 01 montra des taux élevés d'adrénaline, tandis que le sujet 02 montra une profonde appréhension en la présence du sujet 01. Addendum 2, expérience 292 à 46. Procédure, il fut demandé au sujet 04601 de retourner SCP-292, d'attendre 30 secondes puis de remettre SCP-292 en position initiale. Lorsque le déjà-vu fut ressenti, il fut demandé au sujet 04602 de répéter l'opération. Lorsque le déjà-vu fut ressenti une deuxième fois, il fut demandé au sujet 04603 de répéter l'opération. Résultat, lorsque le sujet 01 tendit la main vers SCP-292, tous les sujets ressentirent le déjà-vu comme prévu. Le sujet 02 hésita et il lui fut demandé de retourner SCP-292, pendant qu'il tendait la main vers SCP-292, le sujet 02 tomba à genoux. Le sujet 01 se plia en deux et le sujet 03 trébucha. Il fut demandé au sujet 03 de retourner SCP-292, et lorsqu'il approcha sa main de SCP-292, tous les sujets montrèrent des signes de choc temporel de durant 10 à 15 secondes avant de tomber inconscient.
les symptômes temporels subsistèrent pendant 5 à 7 jours tandis que les hallucinations visuelles et auditives persistèrent pendant plusieurs addendum 3, incident 292 à 4. Lors de la préparation de l'expérience 292 à 75, le DR serra soudainement SCP-292 contre sa poitrine et rapporta avoir fait l'expérience d'un déjà-vu. Le DR déclara qu'il avait eu l'impression d'être sur le point de lâcher SCP-292 et que s'il l'avait fait, quelque chose de mauvais se serait produit. Le DR a émis l'hypothèse que le DR a bel et bien fait tomber SCP-292, mais que plutôt que se briser, SCP-292 inversa le flot du temps jusqu'au moment juste avant qu'il ne soit lâché. Si SCP-292 possède effectivement un tel système de préservation, les conséquences potentielles donnent supprimées. Reclassification en euclide approuvée le 20 jusqu'à ce que plus d'informations sur les propriétés de SCP-292 puissent être réunies et analysées. Footnote 1. Plus d'informations peuvent être trouvées dans le document 292-48K, symptômes théoriques et observés d'affliction temporelle. 2.